Ascaridios. Définition. Parasitose intestinale le plus fréquent dans le monde, l'ascaridios est un parasite dû à la présence et au développement d'un hématode spécifiquement humain appelé Ascaris lambricoïde. Quel est l'intérêt de cette étude? L'infection est cosmopolite et elle est liée au péril fécal humain. La classification parasitologique de l'ascaridios fait partie des phylums des nématodes, de la classe des Cicernonta, de l'ordre des Ascaridida, de la famille des Ascarididae, du genre Ascaris, de l'espèce Ascaris lambricoïde, Ascaris sum. La morphologie de l'Ascaris adulte, c'est un vert rond recouvert d'une cuticule striée, blanche-rose ou blanche-nacrée, avec le mâle qui mesure 15 à 20 cm, une extrémité postérieure en crosse et munie de spicules, la femelle qui mesure 20 à 25 cm, une partie céphalique avec bouche, avec trois lèvres, appareil digestif complet et présence de l'appareil génital, et une extrémité postérieure rectiligne. Maintenant, voyons la morphologie de l'œuf d'Ascaris. Nous avons des œufs d'Ascaris non fécondés et des œufs fécondés. Les œufs non fécondés ont une forme ellipsoïdale et sont recouverts d'une coque mince. Par contre, les œufs fécondés sont ovoïdes, mesurent 50 à 70 microns sur 30 à 40 microns et sont recouverts d'une cuticule épaisse protégée par une double coque. Il faut savoir que les œufs d'Ascaris ne sont pas embryonnés à la ponte. Leur habitat, ils vivent dans l'intestin grêle et dans les viscères, et ils ont une longévité d'environ 18 mois. Le cycle évolutif. Après ingestion d'un œuf embryonné par des crudités, des fruits ou de l'eau suyée, la larve est libérée dans le tube digestif. Elle traverse la paroi intestinale et gagne le foie où elle séjourne 3 à 4 jours. Il subit une mue, puis atteint le poumon par voie sanguine. La larve traverse alors la paroi de l'alvéole pulmonaire au 10e jour. Remonte l'arbre bronchique jusqu'au pharynx où elle est habituellement déglutie et gagne le jugénome où elle devient adulte. Donc les femelles commencent à pondre environ 2 mois après ingestion de l'œuf. L'embryon infectant n'apparaît qu'après un séjour de quelques semaines dans le milieu extérieur. Le mode de contamination est oral et se fait par ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des œufs embryonnés. L'homme est le seul réservoir de parasites, toute personne est réceptive et les enfants sont plus vulnérables. La symptomatologie. Les manifestations cliniques dépendent de l'importance du parasitisme et de sa localisation dans l'organisme. La phase de migration larvaire, stade 4 à 6 du cycle parasitaire, est marquée par un syndrome de Loeffler, avec excès de toux accompagné de fièvre et d'images radiologiques pulmonaires fugaces asymétriques à type d'opacité. La phase d'état est fréquemment marquée par des troubles digestifs, des épisodes diarrhéiques, des douleurs abdominales mal localisées, exceptionnellement des signes nerveux à type d'irritabilité, de troubles du sommeil et voire de convulsions. Des complications chirurgicales peuvent être observées par migration et ou accumulation d'adultes donnant des signes d'angiocolite, fébrile, de pancréatite aiguë, hémorragique, ou d'appendicite, d'occlusion intestinale, d'étranglement hernière ou de perforation intestinale. Le diagnostic biologique montre une hypereosinophilie qui apparaît quelques jours après la contamination. Elle atteint un maximum au bout de 3 semaines, puis décroît progressivement et à cette hyper-éosinophilie est soit associée une hyperleucocytose. Un Ascaris adulte est facilement identifiable du fait de sa taille,
permet parfois le diagnostic à partir des fesses Où? lorsqu'il est évacué par la bouche ou le nez. Le plus souvent, le diagnostic repose sur la découverte des œufs dans les selles, au minimum 2 mois après la contamination. La quantité d'œufs dépend du nombre de femelles adultes présentes dans le tube digestif. Monosexuées, femelles. Dans ce cas-là, le diagnostic sérologique n'a pas d'intérêt. Les traitements médicamenteux sont très efficaces. On utilise de préférence les benzimidazolés. Le flubendazole, fluvermal, comprimé ou suspension, un comprimé dosé à 100 mg matin et soir pendant 3 jours. Albendazole, Zantel, comprimé ou suspension, 400 mg en cure unique. Le pamoate de pirentel, Compontrin, 12 mg par kilogramme en cure unique est une alternative. La prophylaxie, elle repose sur l'hygiène personnelle, lavage des mains, propreté des aliments et la lutte contre le péril fécal, installation de latrines, dégoût, traitement des eaux usées, interdiction des engrais d'origine humaine.